Avant que Rudy Garcia arrive à la Roma, depuis 10 ou 12 ans, qu'est-ce qu'il faisait la Roma? Non mais la Roma, c'est la belle endormie du championnat d'Italie. Donc, on en revient à une chose, j'entendais pas parler de la Roma. Depuis Eriksson, je crois. Il avait fait des choses, il avait joué jusqu'à la dernière très longtemps. Et d'un coup, en deux ans... Pas de Supercoupe italienne. Oui, oui, mais en deux ans avec Rudy Garcia, la Roma, ils se sont mis à rêver. Non mais... On a fait parler, je pense, plus en France qu'à l'étranger. À l'étranger, en Angleterre, on se rappelle de la Roma parce qu'en deux saisons, il a pris 7 buts du Bayern et 6 du Barça. Oui, ça je sais, mais c'est pour ça qu'on parle de la Roma à l'étranger. Dans le championnat, d'un coup, je pense que les supporters romains et le club, d'un coup, on parlait encore plus de la Roma en Italie parce qu'on sentait quelqu'un qui était proche d'embêter la Juventus, ce qui n'était pas le cas depuis 10 ans.